Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de The Seven Guests. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu, j'ai vu un fantôme. T'as plus de tête, toi. Et toi, c'est quoi? Rien. Bon. On va monter à l'étage. Il semblerait que tout se passe là-haut. D'ailleurs, on entend un bruit. Je vais baisser un peu le son. Ouais, tout est là. Rentrons et allons dans ses chambres. Qu'est-ce qui se passe? Staff's looking to make a deal. But the right deal needs the right information. Stauf must have hidden something here. Je peux pas l'ouvrir, ça? Non. Par contre, ici, j'ai une clé. Et cette clé va me servir à ouvrir quelque chose. Peut-être cette porte-là? Allez savoir. Stauf seems to know my taste. Perhaps there's a clue in here. Je vais juste vérifier ça. C'est les squelettes. Et ici, les flammes de l'enfer. Alors. J'ai des choses à bouger. Par contre, il y a ici des vêtements. Ouais. Si je recule ce truc là, par rapport à... au miroir, il se passe... Il y a une histoire de miroir là, non? Très certainement. Faut que je le mette dans l'ordre, peut-être. D'abord celui-ci. Ensuite... C'est quoi? C'est Je vais essayer de les mettre à l'envers, on va voir, parce que s'il y a directement ce miroir, ça doit pas être pour rien. Là, j'ai... Ah, je l'avais. Voilà, et toi? Ça fait que dalle, bon. Et si je le mets... je vais tout bouger, là. C'est bon. Ah, mais non! Toc l'œil... Ça. Et ça. Maintenant, je vais mettre l'autre. Comme ceci. Toi. Ah, voilà. Qu'est-ce donc que ceci? Ça va me permettre d'ouvrir à autre chose encore. Les monstres. Non, c'est juste le lion. Là, il n'y a rien de spécial. Si, à part toi et ton épée. Et là, ils ont des chapeaux. Toi, il faut ouvrir ta bouche. Ta gueule, et pour ça, je peux pas l'ouvrir. Alors, je dois regarder une vidéo sur la droite avec une île. My baby brother under the ice. I haven't thought about him in ages. How did Stauf know? Mon petit frère sous Brian, la glace. Brian, I
slipped under the ice and you just looked at me. Why didn't you help your own brother? Ah, mais qui étaient ces enfants, en fait? Ça, je peux l'allumer. Ça. On peut tout prendre, hein. Après, de là, tout regarder, je suis pas sûr. Mais il faut quand même, parce que bon, on sait jamais. He was a foundling. Forced to grow up in a grim and grimy orphanage. A quiet child, without any friends. So he made his own. Soon he discovered he could entertain the other children with the puppets he had made. Everyone loved the shows young Henry put on. D'accord, c'est comme ça qu'il est devenu constructeur de... d'objets. Pas de jouets. Fabricant de jouets, ça serait mieux que constructeur. Oula, c'est bizarre ça. Petit effet louche. Ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pense qu'il faut que j'aille là. Toc. Non, non. Et ça ne change rien. Il y a une histoire de porte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une histoire de maison. Il y a différentes maisons. Et là, j'ai récupéré un bouton. Ah, qu'on peut peut-être mettre ici. Non? Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Non, pas du tout. C'est juste des fameuses pièces. Coin. If you're stuck, you can spend that at the spirit board in return for solutions. D'accord. Elles servent à ça les pièces. My first factory. Stauf's done his homework. Mais ça se trouve, c'est eux les gosses. Ah, alors, c'est bien ce bouton, mais il sert à quoi? Peut-être que c'est pour une autre pièce aussi, hein. Si ça se trouve. J'aurais bien utilisé ça, mais je sais pas vraiment comment. Est-ce qu'il faut que tu ôtes les yeux? Je peux pas. Toi, je peux pas t'agrandir. Et là, il y a quelque chose, mais je peux pas ouvrir. Il y a un truc avec les yeux, là. Quelque chose avec les yeux. Ça, je peux peut-être le tirer. Je suis trop court. Non, je suis trop court. On va aller dans les autres pièces, on verra bien. Il y a un truc là, ouais. Là, il y a quelque chose. Là, il doit trouver le luminaire avec le bon. On va ressortir. C'est dommage, par contre, que je puisse pas garder comme ça mes indices. Wow. Ah, j'ai une autre porte. Toys. Seems like Stauf is up to his old tricks.
Alors, effectivement, il y a des jouets. C'est vraiment très chouette, par contre, de pouvoir voir comme ça ces tableaux. Effectivement, il y a des jouets. Un nouveau boîtier. C'est ça que j'ai oublié de prendre dans sa chambre. Et c'est vraiment une chambre d'enfant ici. On va retourner dans l'autre parce que... Oula, mais il y a vraiment beaucoup de choses. On va retourner dans l'autre parce qu'il doit y avoir le même genre de boîtier là. Téléporte, je sais pas tout. Je crois bien l'avoir vu quelque part, ce petit boîtier là. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Je sais jamais si je l'ai fait tomber ou pas, par contre ça c'est vrai que c'est un peu dommage. La porte est déjà refermée. Ah, il est revenu là le truc. Bon, c'est bien. Histoire que je paume pas non plus. Non, il n'y a pas de boîtier là. Non. Eh bien, surprenant. Et là, je peux rien faire. Ah si, là, là. My dear Mr. Dyson, welcome to my house. I've watched you rise to the elite of our little town with great interest. And because of this, I want to offer you the following arrangement. You want to spend the night as my guest, and in exchange, I will give you your heart's most secret desire. And you know what that is, Mr. Dutton, don't you? Faut juste que je passe la nuit ici. A deal. A transaction that I have set up for you. You may wonder what that deal is and... That is all part of the game. This is all I can tell you, Mr. Dutton. In the morning, only one of my guests will walk out of this house with his or her every wish granted. Your partner in business, Henry Staff. C'est très très surprenant tout ça, effectivement. C'est très très surprenant. Je viens de changer, je me suis acheté une petite sangle qui est, ma foi, bien mieux que ce que j'avais. Ah, tiens. Il y a un truc là. Je te fais revenir ou pas, toi? Non, pas du tout. Bon, bah, ça change rien au problème. Ce truc vert ne sert à rien. À moins que je le mette sur les yeux du tigre, pas du lion. Pas du tout. Il y a un truc avec les yeux. Il y a quelque chose, et quand j'ai mis les deux yeux... Ah ! 8 diamants et c'est l'arrivée. Il faut vraiment tout regarder, hein. Thank you.
diamant et c'est l'arrivée. Quant à ça, moi je suis toujours perdu par ce truc là. Comme s'il y avait une porte ici, mais là il n'y en a pas en fait. Et ça, je peux vraiment pas le choper, ça. Non, reste là, toi. Tant pis, on retourne dans l'autre pièce. L'autre pièce était papa est derrière moi. Celle-ci. Eh ben. Just like your ABCs. Oui, c'est un C. J'ai encore une pièce. Et c'est quoi ça? Ça, c'est un C. Ça, c'est un A. Et là, il y a quelque chose, il faut que je le regarde ici. Ça a changé de place, ça bouge. Là, j'ai un A. Je trouve le C. C'est quoi ces histoires-là? C'est des... Est-ce que c'est en rapport avec le dessin qu'il y a là? Bon, on va avancer. F, N, A et B. A train set. Stealth? Really? Il est bloqué là-bas, lui. The tracks, they need to change. Il va se retrouver de nouveau bloqué là-bas parce qu'en fait il tourne à l'envers, lui. Je peux pas le changer. Est-ce que je peux, par contre, le ramener là et le décaler, moi? Non, je peux pas. Et j'ai un B, là, en plus. 1, 2, 3, 4. Et j'ai un B à prendre ici. Je pense qu'il faut que j'arrive à coller mes 1, 2 et 3, 4, mais je peux pas les déplacer en fait. Ah! Ah oui, je suis bloqué là-bas. Je vois pas du tout ce qu'il faut que je fasse.
the carriages. They need to be in the correct order. Hey, je comprends bien. Donc j'arrive à les trouver en fait. Le 2 est là-bas. Il s'est pas accroché. Si, ça y est. Ah non, il s'accroche pas. S'accroche pas. Ça y est. On a le 2. Alors, le on a le 1, pardon. Le 2 est là. Hop. On a le 2. C'est quoi là-bas? Toi, tu dois être 4. Toi, t'es 3 ici. C'est 3 ça? Oui, c'est 3. On voit mal. Comme ça. Raté. Ah, stop, 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 stop. Eh, mais non. C'est bon. Tu vas prendre arrière. Ça y est. Je me suis encore trompé. Comme ça. Eh, c'est pas ça que je veux en fait. Qu'est-ce que je fous, moi? Il va pas faire un demi-tour, de toute façon, il ne le fera pas. Il faut qu'il arrive carrément à l'envers, et donc pour pouvoir arriver à l'envers, il faut qu'il aille là-bas. Qu'il fasse maintenant une marche arrière toute lampe à contre-pointe. Ah bah c'est pas simple. Non. Hop. Et le 4, lui, est là-bas. Et si j'y vais comme ça, est-ce que ça va le faire? C'est bon. Et non. Et voilà. Got it. Il est tout fier. A, B, C, super, mais qu'est-ce que ça fait en fait? Déjà, on va enlever celui-là. Attends, voilà. Toi, on va te mettre comme ça.
Ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça fonctionne, mais il se passe rien. Est-ce que j'aurais pas un autre indice quelque part, moi ? Est-ce que je n'aurais pas autre chose ? Là, j'ai encore des chiffres avec encore un truc. Business Dogan. He's been eyeing the company. He knows all about our financial troubles. Alors 3561,91. Je peux l'ouvrir ça, non? 3561. Donc j'ai 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 comme ça. Donc 3. Tu peux ? 5. Mais ça bouge à chaque fois. Huh. It's a cantometer. Just like the one I have at the office. Donc 1. 9. Ouais. Ouais, c'est les. Oula, comment ça marche ? 3, 5, 6, 1, 91. Qu'est-ce que ça fait ça ? Je suis à 0. Par contre, ouais, c'est chiant. J'ai 3 déjà. Il focalise entre 9 et 6. Pourquoi ? Comment ça fonctionne ça ? Putain, mais c'était bon. 3, c'est bon. Ensuite, 5, c'est bon. 6, ici. Ça fait. Ouais, ça fait 4, donc ça va pas du tout. Ça fait 8. C'est pas ça. Ah non, c'est peut-être ça. Non, c'est pas. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. 4, 7, moins 1, 6. I need to reach a certain number. But which one? Eh, le 6. Puisque tu le dis, mon vieux, le 6. Faut que j'arrête avec ça. Avec les doigts, c'est pas terrible, hein. Là, il me faudrait le 1. Donc je suis à 6, moins 3, moins 2, non on est bon, 9, ça fait 5, 6, 7, 8, allez tapons partout comme ça va pas le faire, ici 1. 2 moins 2 ça fait 0. Par contre si je fais 3. 4, 5.
Moins 3. Ça fait 2, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Non. Voilà. C'est bon. Toi, t'es à combien, toi? 8. Et non, il faut 9. C'est bon. Ensuite, j'ai un c'est bon, c'est le 6, là. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Allez, on recommence. C'est les doigts, là, c'est un peu merdique. Je suis désolé, mais... 5. Non, bah oui. Ah non, toujours pas. Comment je peux faire? Parce que lui, là, il peut pas. Lui, il peut pas. Et lui non plus. Après, est-ce qu'il manque pas une touche quelque part, hein? Non. Je peux pas le rajouter. Huit, si j'enlève... 7. 3. Et là maintenant, là, ça va faire 0. Ah, il va me falloir un autre chiffre. Je peux pas t'en faire. Toi, je peux pas t'ouvrir? Non, je peux pas. Il y a peut-être un chiffre qui manque quelque part, en fait. Eh ouais, là, déjà, il y a des trucs là. Un E. J'en vois pas d'autres. C'est le 2 qui me manque là. Ce serait bien pratique. Comment faire pour revenir à 6? Je peux pas. 4 plus 3, 7. 4 et 1, 5. 6, 7, 8. 3 et 3. Ouais, ouais, il faut être tout à côté déjà. En appuyant partout. Avoir un 6 là, c'est pas possible en fait. Mais attendez, et non,
Si j'appuie à côté, là, ça me fait quoi? Ça bouge pas, les chiffres d'à côté. Ah! On va regarder ça. J'ai pas de chiffres en plus. Est-ce que je peux voler un deux, deux. Ça me saoule! Réfléchissons 5 minutes. Est-ce que ça serait pas de la taille du truc que j'ai vu la dernière fois? Je pense que je me trompe, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. Pour ôter les touches. Hein? Ça, là? Non? Non. Non, pas du tout. Ouais, de toute façon, on est disparu. Ah, c'est pas ça. Je suis pas loin pour ça. J'ai récupéré le E. Just like your ABCs. On a tout reperdu, là? Ah ouais, c'est pas mal, ça. C'est comme ABC, donc... C'est les jouets pour enfants. Il faut que ce soit ABCDE. Eh ben c'est pas simple hein. E A C E encore, non B c'est bon. E. Où c'est que je les mets? Là il y a A, c'est sûr, ça c'est le A. Donc on va le mettre. Oui. Et il était comme ça. Et ça, ça ressemble à quoi ces trucs-là? Parce qu'il y a des dessins sur les jouets. Dessins qui ressemblent à je ne sais quoi, mais... Je pense que ça, c'est censé... faire le haut des trucs, mais... Quoi? Ça s'allume quand ils sont touchés. Ils sont collés. Et là, ça s'éteint. Ah, mais ici... Que ce soit à la même hauteur. Non, reste là, toi. Reste là! Ça, ça va pas le faire dans ces longueurs-là. Là. Le A, il est pas censé être là, alors. Ah, ça marche, mais... Euh...
faut le dé. Si j'ai mis là. Quelque chose qui s'ouvre là, non? C'est quoi ce qui s'ouvre? On entend quelque chose. Je dirais par là, mais... Là, ça le fait. Là, il y a un truc. Non? Oh, c'est une simple lumière. Ah là là, mais c'est terrible! C'est sûr. Ce qui est bizarre, c'est que le A doit aller là, lui. Donc, c'est que je sais pas où je vais mettre mon E, en fait. Faut que j'arrive à gérer ce truc, mais je ne sais pas comment. Pas les bons chiffres, hein. On me demande, ou alors pas dans le bon sens. Staff knows. He's been eyeing the company. He knows all about our financial troubles. 3561,91. C'est peut-être à l'envers. On va essayer de l'autre côté. Mais ça m'étonnerait. 3561,... Ouais, non, ça va pas. Huh. Non, ça va pas. It's a cartometer. Just like the one I have at the office. Ça marche pas non plus puisque j'ai pas le 91. Ça fonctionne parce que là 5, 6, 7 j'étais à 8 bon 1 ensuite il me faut un 6 là, c'est celui-là. Là, si tu fais 5
reach a certain number. But which one? Et le 6. Le 6. Mais je sais pas comment. Ah là là, c'est dur. J'appuie partout, je fais n'importe quoi. Je vais voir le truc. Je sais pas où c'est d'ailleurs ça. On va essayer, hein. Train électrique, chronomètre, cube à famille. Vous devez trouver un chiffre. Il est important de garder l'argent en tête. Ah mais oui, j'ai compris. Additionnez tous les chiffres jusqu'à ce que le chronomètre indique le montant de la dette vu dans la lettre. C'est ce que je fais. Ah ouais, alors, si imaginons là, 1 plus 8, ça me fera 9. Imaginons là, que je fasse ça. Ça change rien, ces trucs. Six, il me faut un là. Donc il me faudrait, imaginons, s'il me faut un là, il faudrait au moins deux. Ouais, c'est ça. Putain. Donc là, je suis à 1. Clé à 6. 5 et 6. Ouais, voilà, j'ai capté. Putain, j'ai mis du temps. Et ensuite, c'est 35. Ah là là! Il fallait les additionner, quel calane! C'est D. Alors. Est-ce que c'est pas fini ça? Eh, j'ai pas mon E. Et mon E, je peux le mettre là. Et donc? Ça fait un oui. Et donc, qu'est-ce que ça a ouvert? Rien du tout. Alors on entend qu'il y a un truc qui s'ouvre, mais quoi? Putain. Pardon, hein, mais...
Ah, c'est bien celui-là. Ça ouvre quoi? Le problème est là, en fait, j'ai rien à ouvrir. S'il y a quelque chose là? Bon. On va reprendre le truc, mais j'en ai bientôt plus de pièces. Répondez à cette question, je vous en prie, connaissez-vous votre alphabet? Il y a un dit suivant. Placez les cubes dans l'ordre alphabétique et vous assurant qu'il n'y a pas un niveau de différence. Pas plus d'un niveau de différence. Même à la lumière de la lanterne. Allez, dans tous les cas alors peut-être. Même au niveau de la lanterne. Allez, donc là ça va être trop bas. Non, si c'est bon là, 1B. Toi là, toi. Ah ça c'est très cool. C'est très très cool. Mais je suis petit moi je trouve. Stauf knows too much. The debts. But how? Perhaps he wants to help us. Our heart's deepest desire. What? There! What? Don't you see? The blood! There's nothing there. Eleanor! Eleanor! There's nothing. Eleanor, we have to win this prize money. Do you want to see me locked up by our creditors? Do you? Now, shape up, Eleanor. No more of your spells. Not today. I just need a moment. C'est un enfant qui avait... C'est pas des créances. D'accord, la lumière est allumée. On a débloqué, je pense. Bon, bah, il va falloir entrer dans l'autre.
Parce que je pense que c'est pièce par pièce, effectivement. Je vais aller voir les autres, on finira par celle-là, au pire. Bon, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. On avance petit à petit, hein. Les pièces s'allument. C'est très chouette, cette ambiance, quoi. C'est très, très cool. Allez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.